de vent, des nuits de belle lune avant que le jour se lève. On peut le croiser n'attendant que nous cherchant sa Marie-Jeanne. Et lorsqu'on le retrouve, il n'y a qu'une question à se poser, mais Garou, où te caches-tu? Six chansons. Eh, hey, six chansons pour le prix d'avancement. Très fort. Comment ça va? Ah ben oui. Énorme carrière, Garou. Jeune homme, immense carrière. Quels sont tes plus beaux souvenirs de ton expérience en France? Énormément de souvenirs. Quand je pense à, évidemment, à Notre-Dame de Paris, où la première fois que je suis venu à Paris de ma vie, comme je connaissais nullement, j'avais donné rendez-vous à Luc Plamondon, ils sont de Paris. Non, ouais. En Quasimodo. Première fois, je suis Quasimodo. Quelles sont, parmi tes chansons, celles qui a changé ta vie, qui a marqué ta vie? Évidemment, Belle, qui est la première chanson que j'ai enregistrée en studio, qui est encore aujourd'hui un des plus gros hits de la francophonie, et au-delà de la francophonie, parce que c'est une chanson qui arrive dans En russe notamment, c'est chanté dans plein de versions. Et même dans un énorme pays comme la Russie, c'est la version en français qu'on connaît. Donc on a vraiment poussé le français la tienne. Dans les frontières. Celle que tu partages avec tes camarades sur scène. C'est quoi la chanson que le public te réclame tout le temps? La première. Ça dépend des pays. Ouais. C'est intéressant. Il y a certains pays où c'est Demande au soleil, où j'étais surpris. Dans les pays de l'Est, c'est Gitan qui est le numéro un. Mon Belle souvent seul ici, beaucoup. C'est ça qui est cool, c'est que dépendamment des pays, il y a des chansons différentes. Quel chemin, hein, quelle carrière parcourue. Alors, nous allons revivre ensemble les plus beaux moments de la carrière du Garou, avec évidemment Belle, jusqu'à Le jour se lève. Il en a fait du chemin, Garou, hein. Regardez. Si les années,
C'est une Ismaël qui coupe le doigt, tu vois. Ça va devenir malade. Voilà, on vient d'entendre le jour se lève qui est tiré de votre dernier album, mon cher Garou. Rhythm and Blues. Je l'ai bien prononcé. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Il fait partie des meilleures ventes de cette fin d'année. Et c'est un album concept des grands classiques du genre. Hein. C'est vous qui avez choisi les chansons, Garou? J'ai choisi beaucoup avec les musiciens en studio, avec ouais. J'étais à Londres, qui est la bande de Plan B. D'ailleurs, on trouve une chanson que j'adore particulièrement, c'est celle-ci. Oh, c'est bon ça. Magnifique. Racontez-moi un petit peu l'histoire, la genèse de la chanson, l'origine aussi. Ben, Screaming Jay Hawkins qui fait cette chanson-là, qui d'ailleurs est très théâtrale quand il l'a fait, c'est un espèce de sorcier qui vient la faire. Après ça, il y a des reprises monstrueuses de chansons Nina Simone, Creedence Clearwater Revival, qui est des chansons, des versions les plus pêchues. Et moi, j'ai essayé de faire un amalgame de tout ça et en faire ma version. Alors, on trouve également du Gilbert Bécaud, du Joe Dassin, et enfin. Quand j'étais sur la route à Saint-Journée, j'ai pas vu tout en train de skisser. J'étais sur la route à Saint-Journée, parce que généralement, on est la fin de journée. Sous les ponts, on est bien là sous les ponts à Paris. Allez, comme tous nos invités ce soir, vous êtes venus avec la liste de vos chansons préférées. Nous avons la playlist. Ah oui, ah. Ah, il y a des biscuits là. Et on commence avec ça. Ce sont des amis là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est les amis et c'est une des chansons rock les plus efficaces, je trouve, de la francophonie. Elle a l'esprit de se défoncer, de vouloir profiter de la vie, d'être positif, parce que c'est pas nullement négatif. Elle est très positive comme chanson. Le Bispo est une chanson bien, ça a bien connu. Eh oui, quand même. Bon, allez, on continue tout de suite avec les chansons préférées de Garou. Voici sa playlist.